Il y a plusieurs mois, on a eu les naissances de bébés le serpent au zoo de M. Reptile. Des bébés serpents des blés. Voici l'évolution des bébés serpents. J'en ai 4 dans mes mains. Ils sont rendus à l'âge de 9 mois. Ils ont vraiment bien grossi. Ils vont vraiment bien. Ils ont pris des couleurs. Ce sont des serpents des blés qu'on appelle des Okiti. Okiti, c'est un parc de chasse aux États-Unis où on a observé que les serpents avaient des colorations quand même contrastées. Dans un an, eux devraient ressembler à celui-ci. Ça, c'est leur frère, mais d'une autre portée. Il va vraiment bien. Celui que j'ai dans le cou, ici, ça, c'est la mama. Où est-ce qu'elle est, mama? Je vais enlever ça ici. Viens ici, mama. Maman, là, elle a 10 ans. Si on s'approche de maman, viens voir ici, il y a un spot blanc dans son œil. Maman, elle a une cataracte. C'est un vieux serpent. Ce serpent-là, pour retracer un peu son historique, je l'ai acheté à John Lee Abbott. C'est un éleveur de serpents aux États-Unis, en Floride, qui lui a acheté de sa lignée à Cathy Love. Elle a écrit plein de livres sur les serpents des blés. C'est vraiment une spécialiste. Les Okiti ont comme particularité d'avoir beaucoup de contraste entre la couleur de fond et la selle dorsale. Ils ont aussi des grandes bandes noires qui vont faire le tour au complet de la selle dorsale. Puis, ce qu'il a fait, John Lee Abbott, c'est qu'il a sélectionné des individus avec des selles dorsales qui ont des bandes noires qui sont très, très larges. Je trouve que ça fait des serpents qui sont vraiment magnifiques. C'est probablement mes serpents des blés préférés. Allez, Tilou! Je suis content de vous avoir présenté mes serpents des blés au Kitty. On fait des petits pouces bleus pour les serpents. On fait des petits cœurs pour les bébés. Allez, petit bébé! Et ici, les Tilou! Puis, on n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne Facebook et YouTube!